Le troisième film de la compétition officielle de ce 18e festival du film fantastique de Gérard May. Il s'agit du film Mirage. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir à Gérard May une partie de l'équipe du film avec nous. Merci de bien vouloir les accueillir. À commencer par les comédiens Aïssam Bouali et Karim Saïdi. Bonsoir à tous. Super content d'être là, très ému et un peu terrifié. Non, pour l'anecdote, je suis parti chercher Aïssam dans sa chambre tout à l'heure et j'ai tapé quand même. J'ai ouvert la porte et il sortait de la douche. Voilà, c'est pour ça explique pourquoi je suis terrifié en fait. Voilà. Moi, oui, mais c'est pour te foutre un peu la honte avant la projo. Les gens vont pas de la même façon. Alors j'ai préparé forcément un petit truc rapide. Voilà. C'est pas oui, bah, typage. Alors voilà, ben très très heureux d'être à Gérard May parce que moi. Pour moi, c'est très important. C'est un festival qui a beaucoup de sens. Et depuis que je suis tout gamin, c'est le métier que je rêve de faire. Et être ici, présenter le film ici, c'est un peu l'accomplissement de ce rêve. Donc voilà, je suis un peu comme les spectateurs, la plupart des spectateurs de cette salle. Quand j'ai grandi, j'ai été bercé par ce genre de film. Donc voilà. C'est un super honneur de présenter ce film à cette salle, à des réalisateurs qui sont présents dans cette salle, qui m'ont beaucoup inspiré, qui ont été vraiment un modèle pour moi. Et forcément, bah, je pense à Monsieur Dario Argento. C'est grâce à l'organisation Public System. Donc je vous remercie aussi beaucoup d'avoir porté ce film pour l'amener ici. C'est très important pour nous tous, parce que c'est pas un film qui a été très facile à faire. C'est un film à tout petit budget, qu'on a tourné en 21 jours. Et encore un an, on était très loin de se douter qu'on pourrait un jour être ici. Donc voilà, c'est aussi grâce à cette équipe qui s'est vraiment défoncée, qui a fait beaucoup de concessions, qui a beaucoup travaillé, pour qu'on soit là aujourd'hui. Donc voilà, je tenais à les remercier. C'est très important pour moi de les remercier. Et puis ces comédiens qui se sont tous défoncés. Voilà, il n'y en a que 2 sur 5 dans les principaux. Les autres sont au Maroc. Ils pensent à vous. Ils n'ont pas pu venir. Certains travaillent, d'autres n'ont pas pu venir. Voilà. Je tenais vraiment à remercier les quelques anges gardiens de ce film, parce qu'il y en a vraiment. Stéphane Leambre, Wallpaper Productions qui nous a vraiment soutenu énormément. Stéphane Chaput, qui l'homme à tout faire aussi. Noémie, Erwan, qui m'a encouragé depuis mes débuts. Forcément Nathalie. Voilà. Donc je vais faire court là, je vais repasser le micro, juste balancer une petite anecdote sur comment est partie l'idée de faire ce film. En fait, il y a eu. Il y a 2-3 ans, et finalement, vous allez peut-être dire que le hasard fait bien les choses, je ne sais pas. C'est parti de l'histoire d'un diplômé chômeur qui s'est immolé en pleine base publique à Casablanca il y a 2-3 ans. Donc c'est pour ça que je dis que le hasard fait bien les choses. Mais c'est aussi ça la magie du cinéma. Et voilà. Donc voilà. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma marocain. Il se passe des choses, ça bouge. Il y a nouvelle génération de réalisateurs qui débarquent, qui ont envie d'apporter de la richesse à ce cinéma-là. Et voilà, j'espère que ça va donner un élan, que ça va continuer et qu'on va encourager ces films pour leur permettre d'exister et surtout leur donner les moyens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais passer le micro à Aïssam. Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment pour vous qu'on a fait ce film. On va essayer d'être court. Bonsoir à tout le monde, merci d'être là. C'est un rêve de gosse.
On va la faire vraiment très courte. Je pense à Myriam, Omar, Mustapha, Choubi et les autres comédiens qui n'ont pas pu venir. Et je pense à l'équipe technique marocaine et française qui sont donnés à fond. David Chirer ! Yeah. Et voilà, et juste dire, on a pris plaisir à faire ce film et j'espère que vous allez prendre plaisir à le regarder. Voilà, merci. Bonsoir à vous tous. Ben moi, écoutez, c'est le deuxième festival pour ce film. Le premier, c'était au Festival International de Marrakech. Il y avait 1600 personnes dans la salle, personne n'est sorti. Le jury, c'était de la bombe. Ici, c'est de la bombe atomique. Donc, voilà, j'espère que vous allez vous régaler et merci encore d'être là.